Et suis-le pour retirer tout le savon. Et je ne sais pas l'éteindre. Oui. Est-ce que vous pouvez m'apprendre à éteindre ce trou? Bah t'as vu, c'est juste la petite truc qu'il faut pousser vers l'intérieur. Ah, c'est moi qui l'ai mis, c'est un truc pour ranger tes jouets dans ta chambre. J'ai pas compris en français. Ouais. Je vais le retirer tout à l'heure. Hop. Bon, ça y est, nous on est prêts. Moi je me maquille dans la voiture là. J'avais pas la motivation. Oh chérie, pourquoi t'as mis ça? C'est pas fille. Faut pas que les méchants y rentrent. Ok. Ah, pour pas que les méchants y rentrent. Tiens tes clés parce qu'il y a que la voiture. Hop, c'est parti, let's go. La petite famille en route pour le meet-up de Loïs. Est-ce que ça... t'es content, papa? T'es content, Loïs? Bien sûr. Attends, j'ai oublié un truc. T'es au fond? Bon, tout le monde ça va bien. Aïe. Oh, bon, bah bon, alors, bon. Aïe quoi? Il s'est passé? Faut pas essayer de tromper. Ah, c'est juste papa, il a tiré la peau au lieu de tirer la ceinture, c'est ça? Non. Non. Il m'a rentré. En fait, comme ça, ça va faire. Ah d'accord, ah grave. Grave de ouf. Alors, pas trop stressé? Maman, regarde. Du tout. Bon bah c'est maman, bien, on a qu'on la chance. Regarde, maman. Quoi? Ma tête, ça me... quand je me redresse, c'est comme ça. Et ben j'ai grandi. Ah bah oui, mais de toute façon, t'as grandi, mon cœur. Hein. Regarde, je me presse. Le système, c'est que tu sois pauvre. Ouais, nous on est bien arrivés au Café Néon, on a retrouvé Elisa de Ediocrea et on va déjeuner. Bon, on est arrivés et on est déjà en plein dans l'atelier, on va personnaliser. Là j'étais en train de changer la cassette, mais là c'est la petite touch, c'est la petite machine qui a l'honneur aujourd'hui pour le premier meet-up de Papa Loïs. Bon alors, tes impressions conquis par l'étiquetage? Je crois que là aussi on a deux nouvelles accros de l'étiquetage. Vous savez, on est bien rentré, je me pose 5 minutes et ce soir pour le dîner on va faire des œufs cocottes. J'ai regardé, j'ai une recette avec le e-compagnon. Donc je vais faire ça dans le e-compagnon au moins, les œufs cocottes. Je pose les œufs dans le panier vapeur avec de la crème et du fromage et ça va cuire pendant 16 minutes, voilà. J'ai envie de vous dire 16 minutes et après avec je vais faire une salade de tomates et en même temps il faut que je fasse un riz rouge pour le déj d'Elura demain et je vais sortir je pense une saucisse ou un truc comme ça pour le demain midi. C'était super sympa le meet-up, mais c'est vrai que c'est... Bon, je suis restée assise quasiment tout le temps, je suis restée un petit peu debout dehors pour prendre un peu l'air parce que ça me faisait du bien de sortir de la maison. C'est trop cool de revoir les abonnés et tout ça, de passer un bon moment, c'est vraiment chouette. Loïs était content aussi. En plus, l'équipe qui s'occupe de Brother et l'équipe de Brother, ils sont adorables. Bon, du coup, j'ai une petite assistante pour m'aider à cuisiner. Elle met son... Elle est bien. Maman, c'est moi qui coupe, même coller avec ça. Bah oui, c'est bien. Les bras. Les éléments, ça attire le papier et ça colle. Voilà. Oui, alors. Coucou à tous. Voici pour une nouvelle recette. Mais ça va. On doit faire les œufs, on doit préparer, tout ça sera installé. Vous avez pas pris. C'est toi ou c'est moi qui casse les œufs? Je t'en prie, maman, j'aime pas les œufs. T'aimes pas casser les œufs? Tu sais ce qu'on fait comme recette d'œufs aujourd'hui? Non.
des œufs cocottes. J'espère que bon, bon, on perd. Tu vas aimer ça, on l'a fait cuire, chérie. J'ai mangé cru. Mais voilà. C'est pas pour ça. C'est pour. Attends, c'est pas fini, qu'est-ce que tu fais? Tiens. Je vais. Ah, je vais verser le lait. Non, c'est pas du lait, c'est de la crème. Alors, je mets dans la cuillère et toi tu verses. Va faire pipi. C'est pas aujourd'hui. Alors c'est parti, cette fois c'est la bonne. Tiens, tu tiens la cuillère s'il te plaît, je verse la crème dans la cuillère. Et toi tu verses la crème dans l'œuf. Allez vas-y. Une. Ah non non non, il faut pas mélanger. J'avais oublié. Et deux. Pareil de l'autre côté. Une, vas-y. Et deux. Super. Qu'est-ce qu'on fait? Hop. Attention. On mélange. Non, on mélange pas du tout les œufs cocottes, on mélange pas. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter du fromage dedans. Fromage. Oh oui. Hop. Du fromage. Une cocotte, tu sais comment? Tu sais une cocotte, tu peux voir si c'est en couleur rouge. Oui mais les œufs cocottes c'est des œufs cuits à la cocotte en fait. C'est pour ça qu'on va la cuire comme ça. Sans mélanger. Voilà. Et à la vapeur. Alors hop, on va mettre du bon comté dedans. Ah non, mais surtout pas ça. Je te coupe des petits morceaux, tu les mets dans le blanc, pas dans le jaune, d'accord? Dans le blanc, pas dans le jaune, sinon ça va abîmer l'œuf. Oh, je sais pas faire. Bah, ça. Tu poses doucement, tu jettes pas quoi. Je savais pas. Non, je savais pas. J'en ai sur le dos. Et enfin, les deux qui restent. Pourquoi j'ai mangé? Et ça, c'est un petit peu pour toi. Tout le côté. Mais non, j'avais tourné. Et hop, ça. C'est pour toi. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à les faire cuire. Merci, maman. De rien, mon cœur. Tu peux aller t'amuser maintenant. Je vais faire avec toi. J'ai rien à faire, je vous épouse. Hop. Je mets le couvercle que j'avais il y a 2 secondes là. Bon bah game over pour le e-compagnon, ça rentre dans la cuve du Magimix, donc je vais ranger le e-compagnon. Et pour vous dire, il était super poussiéreux tellement je m'en suis pas servi depuis longtemps, alors que je l'adorais, je m'en servais tout le temps. Le Magimix est... Oh j'ai oublié de retirer l'eau, je suis une psychopathe. Le Magimix est juste vraiment... me paraît au-dessus après pour mon utilisation à moins limite intensive. J'ai pas refait les œufs, j'ai juste changé de machine. Alors, on va baisser un quart d'heure à 100 degrés. Tu vas te laver avec papa avant de manger du comté, toi. Auto. Voilà.
Bon, c'est dommage, j'ai laissé les cocottes trop longtemps parce que cette demoiselle a mis trop de temps à se préparer. Moi, je vais prendre juste un peu de riz rouge et de la salade de tomates parce que bon, bah là, en soi, je pourrais les manger parce que le jaune est hyper cuit. Ah ben là, normalement, oui, hein, normalement, l'œuf cocotte, je peux pas parce que c'est un jaune cru dedans. Je voulais manger la salade de tomates là que j'ai faite, mais je me suis rappelé que si j'en mangeais, j'allais avoir des horribles brûlures d'estomac, remontées acides, appelez ça comme vous voulez. Depuis que je suis enceinte, dès que je mange des tomates, c'est un enfer. Donc déjà, les œufs cocottes, un grand succès pour Loïs et pour Elliora, même s'ils étaient un peu trop cuits. C'est pas grave. Enfin, ils étaient trop cuits, c'est pas un peu, ils étaient trop cuits. Et bah en fait, je vais mettre du Babybel dedans et je vais mettre ça à fondre. Si vous faites ça aussi, mettez-le moi en commentaire. Je me suis affalée comme une cacahuète sur le canapé pour me poser un peu. Mais ni mon ordi ni mon téléphone n'avaient de batterie. Enfin, en gros, mon ordi, j'ai commencé à regarder une série, il m'a fait bye-bye. Mon téléphone, j'ai commencé à regarder des stories et il vient de me faire bye-bye. Est-ce que c'est un signe comme quoi il faut que j'aille me coucher? Oui. Donc je vais clôturer le vlog maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye bye.